attack of Jonas Vingegaard going for glory. It has been a race of incredible proportions, but the man with the courage, the man with the aim of the yellow jersey takes the stage. What a win! Jonas Vingegaard blitzes the tour and takes yellow. Now he wins on Alpe d'Huez. Tom Pidcock arrives at the World Tour of the Tour de France. We had to sleep on top of the Alpe d'Huez, so your recovery's not great. Obviously, it's quite high there, but yeah, everyone's in the same boat. I think everyone's tired now, so yeah, we'll see how today goes. The race looks hard. It's going to be hot weather again, so if I'm still there at the end, I will of course try to see if I still have a sprint in the legs, but you never know after the last 2 days. There's not many sprint opportunities at this tour, so when we get a stage like this that's kind of in between, I think we have to take the chance and try to go for a sprint. Le départ réel donné à 13h18. Trois hommes forts ont décidé de prendre les choses en main dans cette étape. Matteo Jorgensen, le jeune américain de Movistar, mais surtout deux gros rouleurs, Stefan Kung et Filippo Ganna. Ils se détachent dans la première difficulté de la journée, la côte de Briey. Derrière, les premiers coureurs en difficulté sont lâchés, Sagan ou Jakobsen en font partie. En contre-attaque, un groupe va parvenir à rejoindre les hommes de tête après la traversée de Grenoble, avec notamment Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Ils sont 7 désormais à ouvrir la route. Tandis que le peloton est amené par les équipes de sprinteurs, Lotto Soudal et Alpecin, pour Philipsen et Caleb Ewan. Jorgensen s'arrête, dépanné par Shimano. Very, very warm day. 34 degrees. It's searing hot outside. Après les deux premières heures bouclées à près de 46 km/h de moyenne, le groupe de tête ne parvient pas à faire la différence. Le peloton neutralise les échappés qui pointent toujours à moins de 2 minutes 30, alors que l'on approche du sprint intermédiaire de la côte Saint-André située à 91 km de l'arrivée. Et c'est Pedersen qui passe en tête. En deuxième position, Filippo Ganna. En troisième position, Hugo Hull. Il en a des points, hein, et il en a à revendre même, hein, si ça intéressait quelqu'un. Il a 155 points d'avance, il en prend 8 de plus. Avec un tout droit. C'est Caleb Ewan. Tout droit pour le sprinter australien qui est tombé en plus. Il est tombé, Caleb Ewan, dans ce virage gauche et il a entraîné d'autres coureurs avec lui. Caleb Ewan à terre. Il n'a pas de chance, Caleb Ewan. Hein. Non, Giro déjà cette année, il est tombé, il a dû abandonner. Alors pour l'instant, les Lotto Soudal ne l'attendent pas. On a vu Andreas Kron poursuivre son effort, ne pas s'arrêter. Deux autres Lotto Soudal également. La chute de Caleb Ewan redistribue les cartes pour la victoire d'étape. Lotto Soudal se retrouve en chasse derrière le peloton. Seules deux équipes désormais roulent derrière l'échappée, Alpecin et Quickstep. Devant, ce sont toujours les Trek qui animent l'échappée avec Quinn Simmons et Mats Pedersen, grand favori si ce petit groupe arrive au bout. Attention tout de même au rouleur canadien Hugo Hull, mais aussi à Fred Wright, le coureur de Bahrain Victorious Rapido Sprint. Caleb Ewan continue lui de lutter derrière le peloton alors que l'on entre dans les 50 derniers kilomètres. À l'avant, Quinn Simmons, après son remarquable travail pour Mats Pedersen, est distancé. 6 hommes en tête désormais, 6 hommes en tête. À l'approche du sommet de la dernière difficulté de la journée, l'équipe Bike Exchange de Dylan Groenewegen se réveille et place 3 hommes à l'avant du peloton, notamment Michael Matthews. On cherche à revenir sur l'échappée, mais cela semble trop tard devant l'entente parfaite entre les 6 rescapés. Attention avec la faute. Commence à être cuit. 2 minutes 30 secondes de retard pour le peloton. 2 minutes 30. Cumulative, les gars, cumulative. Et en tout cas, rideau dans le peloton. Oui, ça y est. On l'avait anticipé. Pas tout compris. Oui, ils étaient en bout de course, les deux coureurs qui roulaient en tête du peloton. Et... première attaque, Pedersen. Et c'est Mats Pedersen qui attaque. Il n'a plus d'équipe, on le rappelle. Quinn Simmons n'est plus là et Mats Pedersen qui met une mine à 12 km. Il est bien sorti. Allez, Mats Pedersen qui se retourne derrière, est-ce que ça réagit? Ah, Ganna, il est cuit. Ouais, Filippo Ganna, est-ce qu'il a encore de la force, Filippo Ganna, sachant qu'il y a un faux plat de 4 km là qui les attend. Ah, il est serein. Il était 6e du prologue du contre-la-montre le premier jour, il était 3e de la première étape au sprint.
Ah, c'est un garçon qui s'allait vite dans les sprints massifs. Évidemment, un sprint à 3, ça ne va pas lui faire peur. Le final est tout plat. Dernière courbe à 300 mètres de l'arrivée. Dernière ligne droite. Hugo, là, toujours en tête, qui surveille. Surveille son côté gauche, évidemment, Pedersen qui a déclenché son sprint. Partout à 250 mètres de l'arrivée. Mats Pedersen qui est surpuissant. Il est puissant. Ouais, Fred Wright qui ne reviendra pas. La victoire, elle est pour Mats Pedersen ici à Saint-Etienne qui domine physiquement ce sprint. Première victoire de Pedersen sur le Tour de France. Et dans un grand tour, l'ancien champion du monde. Allez, Luca Mozzato qui va se frotter à Wout van Aert avec Florian Sénéchal également, Alberto Lainez. Amaury Capio. Pour la formation Arkéa-Samsic. Pasqualone aussi pour Intermarché. Wout van Aert, tiens, qui va se dégourdir un peu les jambes quand même. Avec Florian Sénéchal qui va essayer d'aller chercher la 7ème place. Allez, à l'arrivée, c'est Wout van Aert qui prend la 7ème place. 8ème place pour Florian Sénéchal. It's incredible to the last 2 weeks here. It's not a lot of chances for a guy like me, so to take the chance today and get the award is really, it's really nice. Not only for me, but for the whole team. We came here with riders only for stages, and now we have one, so it's such a relief. You've just won a stage of the Tour de France. Have you understood that? Not yet, I think. Not yet. Première victoire sur un grand tour et donc sur le Tour de France pour Mats Pedersen. Troisième victoire en 4 jours pour le Danemark sur ce tour après Kort Nielsen à Megève et Vingegaard au Col du Granon. Fred Wright et Hugo Hull terminent sur le podium. Pas de changement pour le classement général malgré quelques coureurs distancés dans le final de l'étape. Vingegaard reste en jaune devant Pogacar et Geraint Thomas. Au classement maillot vert, grosse journée pour Mats Pedersen qui récupère 70 points au total contre 20 pour Wout van Aert. Mats Pedersen se replace à la 4ème place du classement mais à plus de 200 points du maillot vert. La bataille pour le maillot à points n'a pas fait rage aujourd'hui avec simplement 9 points à prendre au total. Simon Geschke garde sa tunique à poids et a perdu un adversaire dans sa quête du maillot jusqu'à Paris, Warren Barguil qui n'a pas pris le départ de cette 13ème étape. Tadej Pogacar et Thomas Pitcock vont aller jusqu'à Paris en se disputant le maillot blanc de meilleur jeune. Avantage Pogacar pour le moment. Au classement par équipe, Ineos qui avait un homme à l'avant gagne 5 minutes environ sur Jumbo-Visma. Ineos possède plus de 20 minutes sur l'équipe néerlandaise désormais. Demain, les baroudeurs seront encore à l'honneur vers Mende avec la célèbre montée Jalabert vers l'Altiport. Prochaine chance pour les sprinteurs prévue dimanche à Carcassonne.